Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va compléter notre dossier 0, premier contact. Tout d'abord, on va réviser les jours de la semaine, les mois de l'année et les quatre saisons. Puis, on va apprendre les objets de classe. S'il vous plaît, écoutez bien cette vidéo. Les jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mois de l'année. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Des mois avec 31 jours. Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre. Des mois avec 30 jours. Avril, juin, septembre, novembre. Des mois avec 28 jours. Février. Quel est le premier mois de l'année? Janvier. Quel est le dernier mois de l'année? Décembre. Quel est le cinquième mois de l'année? Mai. Quel est le huitième mois de l'année? Août. Les saisons de l'année. Les quatre saisons de l'année sont l'automne. Il fait frais. Les feuilles sont rouges ou jaunes. Les arbres perdent leurs feuilles. L'hiver. Il fait froid. Les arbres n'ont plus de feuilles. Il pleut.
Il fait du vent. Il neige. Le printemps. Il fait beau. Les feuilles poussent sur les branches des arbres. Les arbres fleurissent. L'été. Il fait chaud. Les feuilles sont vertes. Les fruits ont mûri. Tu complètes avec le mois de l'année. On a 12 mois. Les mois de l'année sont janvier, c'est le premier mois de l'année. Deuxième mois, c'est excellent, février, mars, et après, bravo, avril, et après avril, mai, et après, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, juin, juillet, et après, qu'est-ce qu'il y a? On a août, très bien, et après août, septembre, et après, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, octobre, novembre, et le dernier mois, c'est quel mois? Bravo, c'est décembre. Complétez avec une saison de l'année. On a quatre saisons. Les quatre saisons sont, on commence, bravo, l'été, après l'été, l'hiver, et après l'hiver, on a l'automne, et enfin, le printemps. Répétez s'il vous plaît. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Question numéro 3. L'apostrophe, espace, est en décembre, en janvier et en février. C'est quelle saison? C'est quelle saison qui est en décembre, en janvier et en février? C'est très facile. Bravo. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Répétez. L'hiver. Question numéro 4. Et l'apostrophe, espace, est en juin, en juillet et en août. Où il fait chaud? C'est quelle saison, à votre avis? Excellent. C'est l'été. Répétez, l'été. Cinquième question. Le mois numéro 9 est espace. C'est la rentrée à l'école. Quand on rentre à l'école, en quel mois? Bravo. En septembre. Septembre, bravo. En classe, j'ai regardé l'image. C'est quoi? Bravo, c'est un livre. Et répétez après moi, un livre. C'est quoi? Regardez bien l'image. C'est un cartable. Répétez, un cartable. Et c'est quoi? Excellent, c'est un stylo. Répétez, stylo. Et c'est quoi? Excellent, c'est un tableau. Répétez après moi, un tableau. Et ici, qu'est-ce que c'est? Excellent, c'est un cahier. Regardez bien ces images. On a ici une chaise. Répétez après moi, une chaise. Une table. Une table. C'est quoi? C'est un crayon. Un crayon.
Et c'est quoi? Bravo! C'est un ordinateur. Répétez, un ordinateur. Et cette image, regardez bien, c'est quoi? Excellent, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire. Ce sont les objets de la classe. Dans la classe, il y a un cartable, un stylo, un livre, un tableau, un cahier, une chaise, une table, un crayon, un ordinateur, un dictionnaire. Bravo! Ce sont les objets de la classe. En classe, le professeur dit, il y a des expressions que le professeur utilise en classe. Regardez bien cette image. Ouvrez le livre de français. Ouvrez le livre de français. Répétez. Ouvrez le livre de français. Silence. Écoutez bien. Silence. Écoutez bien. Ici, regardez l'image. Regardez l'image. Regardez bien cette image. Bravo! Applaudissez. Applaudissez. Et la dernière image, écrivez le mot. Écrivez le mot. S'il vous plaît, ouvrez le cahier d'activité, page 14. En classe, c'est quoi? Répétez après moi cette question. C'est quoi? Est-ce qu'on parle ici d'une personne ou d'une chose? Regardez bien. Bravo, c'est une chose. Donc, on utilise la question « c'est quoi ?» Et pour répondre, c'est quoi? Bravo! C'est un livre. C'est un livre. Répétez. C'est un livre. Et c'est quoi? Exactement. C'est un crayon. Répétez. C'est un crayon. Troisième image. C'est quoi? Bravo! C'est une chaise. Une chaise. Bravo. Regardez ici. C'est quoi? Un ordinateur. Ordinateur. Et c'est quoi? Bravo. C'est un tableau. Répétez. Un tableau. Et c'est quoi? Excellent. C'est un crayon. C'est un crayon. Regardez bien la différence entre la question « c'est quoi ?» et la question « c'est qui ?» Ici, on parle d'une chose ou d'une personne. Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnes ici, c'est qui? Donc, on utilise la question « c'est qui ?» Regardez bien l'image « c'est qui ?» Bien sûr, c'est un professeur, bravo. Et « c'est qui ?» Excellent, c'est un élève. Répétez après moi, un professeur, un élève. C'est un professeur, c'est un élève.